Et salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo qui va être totalement épique. Merde. Ok, c'était juste une scène de combat. Salut tout le monde, c'est Tip610, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui vous a laissé en suspense. Je ne voulais pas vous laisser longtemps sur cette fin de vidéo, donc du coup j'ai commencé cette vidéo tout simplement. Et dites-vous que cette vidéo passe d'une manière totalement épique, parce que demain, parce que demain j'ai un oreille blonde français et j'ai toujours pas révisé. Non, mais genre, d'où il balance, il y a toujours un autre, son millimètre. Oh, c'était pas un joke, fake. Non, Michi, I have a gun. Michi, I kill you. Genre, je t'arrache le bras au chevet, mais tu ne le pas. Shot au shotgun, c'était. Je cherchais un jeu de mots de merde, mais je sais pas trop. Re. Cause I'm TNT. I kill you. Ah, c'est tout. Et c'est l'heure de la dépouille. Cadavre, 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 j'aime les cadavres. Quoi, j'ai pas droit? Non mais oh. On a même plus droit à la liberté d'expression quand on fouille des cadavres. Pareil, dans Assassin's Creed, il y a tout le monde qui m'engueule. Donc du coup, je les tue. Et ensuite, je suis désynchronisé pour rien. Parce que apparemment, un assassin, ça doit pas tuer les innocents. Ne pas tuer les innocents. C'est un concept que j'ai encore du mal à maîtriser. Alors si quelqu'un pourrait m'expliquer ce que ça veut dire. Ah mais j'ai déjà tout le flèche, what the fuck. Bon. Ben en fait c'était juste ça. C'est tout. Oh il me reste un cadavre, cadavre, petit cadavre, donne-moi des munitions. Ok. Ce qui est chiant dans une vidéo sur PC c'est que quand on a le nez qui gratte pour jouer c'est pas pratique. J'ai mon casque, attendez. Oui, il tente toujours. I believe I can fly. C'est bon, mon PC il lag. Ah non, c'est juste une inflation. Donc cette vidéo elle durera vraiment pas longtemps. Parce que faut que je révise entre guillemets. Envoyer des SMS à la fille que j'ai rencontré dimanche. On est attaqué, on a besoin d'aide. Ouais j'arrive. Bon, on va juste aller péter la gueule à 2-3 méchants et on arrive. Et j'arrête cette vidéo. C'est parti. Cousin. Quoi? Il se fait pas prise dans la tête?
Headshot. Oh, je lui ai mis dans la tête, celle-là. Oh, je suis dans le pied, GM. C'est par où, je ne sais plus la direction. Oh, une tombe. Ah non, même pas. Ah, c'est bien par là, hein. Ah oui, c'est... pourquoi je vais si haut, là? Ah, ok. Oh, y'a IQ boss. Reyes, tu es blessé. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Oh, merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau. Et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Mais c'est la okay. Même chose. On va mettre ça à l'eau. Ah non, c'est pas la même chose en fait. Mais presque. Et c'est sur ce que cette vidéo va se... Non, d'abord, tant pis, je veux voir. Je veux voir des nouvelles améliorations avec les matériaux que j'ai eu en fouillant les cadavres. Camping. Billet à pompe de combat. Ah, ça c'est bon. Entre flèche explosive. Ah. C'est un peu équilibrage du pot. Permet d'effectuer des tirs plus précis et d'augmenter les dégâts. C'est bon ça. Flèche perforante 650. Ah. Merde. Attends. Les tirs chargés perforent les armures au travers ces ennemis non protégés, touchent plusieurs cibles. Oh, j'aime ça. Eh bien, c'est sur ce que cette vidéo va se finir, mes amis. Et à ciao tout le monde. Et on va finir sur une magnifique action de plombage de mouette. Allez. Ah, presque. J'ai chié. Oui, j'ai plombé une mouette. Bon, ben sur ce, à ciao. Ah oui, c'est l'heure de réclamer des gemmes. S'il vous plaît, mettez des gemmes à ma vidéo et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et parlez de la chaîne autour de vous. Parce que je veux toujours plus d'abonnés. Oui, j'aime les abonnés. Non, je déconne. Enfin, si, oui, mais quand même. Mais en fait, oui, les abonnés, c'est très important. Mais c'est surtout le plaisir de faire des vidéos. Et de faire partager. Mais c'est sûr que quand on a une reconnaissance au travail qu'on fait, avec plus d'abonnés, c'est super quand même. Même si le fait de faire des vidéos, c'est déjà super. Oh, un cadavre. Donne-moi ma flèche. Yeah. Bon, bah, ciao.